fall-away rainbow blow to the heart of the Cavs. So on the eve of the Bulls' long-awaited grudge match with New York, Michael visited with our Andrea Kramer. Is this your new, what, is this your new image look. With these glasses? Yeah, disguised and distinguished. Why do you need a disguise? Me? So I can go in peace. Can you go anywhere in peace? I can go home all the time in peace. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, tu l'as vu aujourd'hui. On va voir plein de nouvelles cartes NBA Vintage que je viens justement de recevoir. Tu as peut-être déjà vu mes précédentes vidéos où j'avais ressorti mon bon vieux classeur des années 90 que j'ai retrouvé chez mes parents. Et puis j'ai reclassé un petit peu toutes mes anciennes cartes. Et j'ai fait deux autres vidéos où j'ai commandé des cartes vintage des années 95, 96, 97, notamment de Michael Jordan, de Dennis Rodman ou encore de Scottie Pippen, hein, la triplette de fou des Chicago Bulls. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va voir encore d'autres cartes incroyables du seigneur, du roi, du king, du parquet, Michael Jordan. Donc on va tout de suite se placer sous la caméra avec ce petit... cette petite enveloppe que j'ai déjà un petit peu ouvert hein, pour contrôler un petit peu les cartes. Je vous montre là, donc là c'est le classeur, comme je vous montrais sur les précédentes vidéos, c'est le classeur que j'ai retrouvé, donc classeur d'origine qui m'a servi pour mettre mes cours au collège. Et donc dedans j'ai toutes mes cartes vintage. Donc n'hésite pas à aller voir mes précédentes vidéos, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on va se placer là, donc sous la caméra, on va regarder un peu les différentes cartes que j'ai reçu dernièrement. Donc il y a vraiment de très très belles cartes. Donc là vous voyez, il y a un beau paquet de cartes de Monsieur MJ, hein, non pas Michael Jackson, mais Michael Jordan. Just be you, be proud of you, because you can be do what we want to do. Ouais, t'as vu, j'ai un anglais qui est quand même bien meilleur que notre ami François. Bref, poursuivons. Donc j'ai ouvert simplement l'enveloppe, mais je n'ai pas regardé les cartes. Ça fait à peu près une bonne dizaine de jours que je les ai reçues, donc je t'ai attendu. Merci, c'est sympa. Ouais, t'as vu, je suis sympa. Je t'ai attendu avant de les redécouvrir à nouveau, parce que je me souviens plus vraiment des cartes que j'avais achetées. Donc on va redécouvrir tout ça ensemble sous tes yeux. Et boy! Allez, on dépiote tout ça. Donc là, t'as vu, hein, y a une bonne fripotée de cartes. Je suis sûr que ça va te rappeler des souvenirs incroyables. Peut-être que tu as eu ces cartes entre les mains. Donc n'hésite pas à bien sûr intervenir en commentaire pour m'informer de tout ça. Allez, on va découvrir par cette première carte. Donc toutes sont sous sleeve. Merci à toi, au vendeur, d'avoir déjà protégé toutes ces cartes là. On a une carte là de 1993, édition donc éditée par Upperdeck, donc de Michael Jordan, hein, à la remise du titre des Chicago Bulls lors de l'année 93, hein, justement. Donc on va regarder un petit peu la face avant et la face arrière. Alors là, on a que là franchement une image emblématique que tu auras donc reconnue. Là, une carte un peu particulière, hein, puisqu'elle est en mode paysage, avec un petit mot de passe que je viens de voir là sur le site Victory Cards. Mot de passe 6 rings, donc 6 bagues remportées par Monsieur Jordan. Donc là, on a vraiment une belle carte, un petit peu atypique, hein, cette carte-là, franchement, avec ce saut en extension. Donc là, vraiment une bien belle carte. Ah ouais, celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je l'aime bien. Je la cache un peu. Celle-là, je l'aime bien. Franchement, regarde. Il y a eu beaucoup d'éditions Upperdeck de joueurs en style dessin animé comme ça. Franchement, je trouve vraiment très sympa. Donc, il y a plusieurs joueurs. Hein, je ne les ai plus en tête. Mais effectivement, celle de Michael Jordan, franchement, c'est une des plus emblématiques. Avec ce saut incroyable dessiné par cette édition Upperdeck. Regardez-moi, Bulls Victory, 95-96. Il y a même la date exacte, hein, 18 février.
avec son fidèle coéquipier Scotty Pippen. Non, franchement, il y a vraiment toujours de très très belles cartes hein, avec monsieur. Ah, celle-là, franchement, elle est vraiment belle. Attends, j'essaie de l'enlever de la sleeve parce que il y a un petit peu de reflet justement. Et là, franchement, on a une très 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 belle cartographie là avec ses différentes couleurs. C'est très sympa hein, ce style là. Ça fait vraiment très vintage. Donc, comme je te disais, hein, n'hésite pas à mettre en commentaire hein, tes impressions si tu as déjà obtenu ces cartes là. Si les collections te rappellent quelque chose, parce que regarde la prochaine carte. Ça, c'est une collection qui est assez connue, hein, toujours chez Upper Deck, de la gamme Collector Choice. Donc là, on a toujours ce Michael Jordan en pleine extension avec la langue tirée. Donc là, on a une carte qui date des années 94. Donc franchement, ça nous met un bon rebond en arrière, si je puis dire. All-Star Game. Quelle année celle-là? Eh bien, on l'a écrit juste de derrière, 90-91. Beaucoup de photos en extension. Elle est pas mal celle-là aussi, hein. Pouh, vraiment sympa celle-là. Donc il y a vraiment beaucoup d'éditions de cartes. Hein. Alors je sais pas si c'est par exemple cette collection-là, il y a d'autres joueurs que l'on peut retrouver. Mais franchement, là, dans toutes les cartes que je vais avoir, tu vas voir, il y a beaucoup d'éditions un peu particulières. Donc je t'avoue que moi je pense que je vais les ranger. Je vais me faire une collection spéciale Jordan. Mis à part des collections où j'ai plus d'une vingtaine de cartes, je vais ranger par édition. Mais là, franchement, regarde, même celle-là, elle est vraiment super belle. On retrouve vraiment le côté vintage, là, rien que dans le short et le maillot des Chicago. C'est vraiment très sympa d'avoir ces cartes-là. Et là, vraiment, on a des collections vraiment très sympas. J'en ai plus d'une... Regarde, j'en ai plusieurs de cette même collection. Regarde, vraiment sympa, hein. Donc là, on a vraiment une carte qui est vraiment avec un carton beaucoup plus épais, beaucoup plus rigide. Vraiment très très épais. Et là, on a vraiment des cartes qui sont vraiment prestigieuses. Elles sont vraiment très belles avec ce fond blanc. Et puis cette écriture en haut en hologramme semi-argenté, c'est vraiment superbe. Hein. Il y en a pas mal hein, de cette série-là, il y en a pas mal. On va enlever de la sleeve parce que ça fait vraiment des petits reflets, c'est pas très sympa. On profite pas assez de la carte. Et j'aime vraiment ce style-là avec ce fond blanc-là. Ça fait vraiment ressortir la couleur rouge du maillot. C'est vraiment très beau. Puis je vous dis, le carton, il est vraiment très épais, très rigide. Rien à voir avec les cartes que l'on peut voir habituellement, hein, franchement. Vraiment très très beau. Hein. Donc vraiment, il y en a plusieurs. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont sympas. Hein. Donc là, pareil, j'ai plusieurs collections de cette édition-là, regarde. C'est de flopper. Je vais te les montrer en détail quand même pour qu'on puisse bien voir. Alors celle-là, elle est vraiment mythique, regarde. Bien vintage, hein. On voit qu'il a des kilos en moins. Hein. On voit la musculature qui est encore un petit peu frêle, si je puis dire. Même si déjà, il avait quand même un sacré gabarit. Mais c'est vrai que là, on voit déjà un peu la jeunesse dans ce joueur. Donc là aussi, on a affaire à un carton très très rigide.
avec cette surbrillance autour de lui, tel un prodige qui arrive sous les parquets. Sont sympas celles-là, franchement. Black Diamond. Le dos, c'est toujours le même, le dos ? Ouais, toujours la même photo. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer des cartes en double que j'ai, que je mets à disposition soit à la vente ou à l'échange. Donc n'hésite pas de rester jusqu'à la fin. Allez, sympa ça, là, regarde. Toute cette puissance-là dans le panier. On va se mettre plus près, regarde. On sent toute la rage-là dans ce dunk. Haha, là on sent toute la pesanteur dans cette photo avec ce shoot en extension, regardez-moi ça. Hein, magnifique, hein. Oh là là, c'est beau. Franchement, c'est super beau. Cette édition Black Diamond là. Vraiment très très belle. Hein. La suivante, tu vas voir, elle est pas mal non plus. Hein. Toujours ce tir en extension que l'on voit de dos. Voilà, on sait s'il va la mettre ou pas, hein, franchement. Oh là là, c'est beau, cette surbrillance là, franchement, c'est magnifique. Hein. On ne voit que lui sur cette carte. Elle est vraiment super belle. Pff. Magnifique. Magnifique. Exceptionnel. Oh là là, celle-là, elle est belle. Franchement. Là, il n'y a personne qui peut l'arrêter. C'est bon, il va droit au panier. Slams and jams. Pas mal, hein, franchement, elle est belle. Hein. Les photos sont belles. Ouh là là, il est tout jeune, là. Le rookie. Avec ce petit hologramme doré là en dessous. On va essayer de zoomer un peu. Rookie of the Year. Des cartes mythiques, hein, franchement, elles sont vraiment super belles. Hein. Encore aujourd'hui, hein, Michael Jordan a une puissance incroyable, même s'il n'est plus sur le terrain. Il a encore un aura, hein, franchement, qui reste encore l'un des meilleurs joueurs de son sport. Hein, honnêtement, il y a très peu de joueurs hein, d'aujourd'hui qui arrivent à vraiment égaler l'aura qu'il a. Hein, je ne te parle pas forcément des stats ou de l'influence du jeu, mais tout ce qu'il apporte dans le jeu et en dehors du basket. Quoi. Franchement, c'est incroyable, encore aujourd'hui. Hein. Donc là, elle est vraiment sympa, cette carte-là, avec cet effet un petit peu code de la route. C'est vraiment très étonnant, hein. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je ne sais pas s'il existe d'autres cartes, par exemple, de ce modèle-là, de cette édition-là, avec d'autres joueurs. N'hésite pas en commentaire à répondre à cette question-là. Hein. C'est peut-être que tu es expert en la matière. Donc n'hésite pas à intervenir et à nous faire part de ton savoir. Allez, on arrive sur la dernière carte. Tout aussi sympa. Donc n'hésite pas, hein, je te dis, à t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les autres vidéos. J'ai d'autres cartes incroyables hein, de Michael Jordan, tu vas voir, elles sont vraiment superbes. Des cartes hein, qui datent surtout des années 95, 96, voire même un petit peu avant. Donc tu vas retrouver beaucoup de souvenirs, j'imagine, de ta jeunesse, qui nous a fait vraiment fait vibrer toutes ces années-là, encore aujourd'hui. Michael Jordan, c'est incroyable. Hein, comme je disais, j'en parlais sur d'autres vidéos. J'ai vu sur Netflix, il passait le reportage, le documentaire sur les Bulls, The Last Dance, où on voit un peu tout l'envers du décor avec l'arrivée de Jordan et un peu tout ce que ça a influencé autour de lui. Comment il a mené l'équipe, le rôle qu'il avait, le rôle un peu autoritaire qu'il avait au sein de l'équipe, la cohabitation avec Rodman, Pippen et les autres.
C'est un documentaire qui est vraiment incroyable. On a le retour du directeur sportif, de l'entraîneur, de pas mal de monde qui gravitait autour. Et franchement, c'est un univers qui est incroyable. J'ai envie de revoir ce documentaire-là. Il est passionnant. Jordan, c'est vraiment une personne, un sportif incroyable, hein, qui dépasse aussi tout l'univers de son sport, qui a un aura extrêmement incroyable et impressionnant, qui émerveille encore aujourd'hui. Ah, avant de se quitter, du coup, c'est ce que je te disais en début de vidéo, voici les cartes que j'ai en double, que je mets à disposition, donc, pour échange, voire vente. Donc, n'hésite pas à me solliciter en commentaire. Il y a aussi, sur ma page YouTube, tu peux aller voir directement et me rentrer directement en contact en allant sur le menu à propos, et tu peux m'envoyer directement un message. Donc là, je te montre un petit peu toutes les cartes que je mets à disposition pour l'échange ou la vente. Donc là, on a une très très belle Dennis Rodman qui date donc de 96. Franchement, elle est en très bon état, hein, tu regardes, je te laisse un petit peu, tu vois, regarder les coins, tout ça, elle est vraiment en bon état, il n'y a pas de souci les gars. Et je vous les enverrai bien sûr avec une sleeve autour. Donc j'ai celle-ci de Dennis, j'en ai une autre. Franchement, c'est un personnage qui me plaît beaucoup, Dennis Rodman. Forcément, hein, c'est déjà un très très grand joueur. Et puis tout le côté un peu excentrique qu'il avait autour de lui, c'est vraiment un personnage. Et dans la série que je te parle, The Last Dance, on le retrouve un petit peu, on voit rapidement un petit peu son histoire aussi et comment il a grandi. Et je trouve que c'est un personnage qui est quand même un peu attachant, je trouve, dans son genre. Donc là, j'ai la même. Une carte quand il était chez les Détroits. Quand il était drafté chez au Détroit, les Pistons. Une autre. Celle-là, elle est vraiment sympa, je trouve. Avec cet effet un peu, je sais pas, ouais, ce logo-là, qui donne vraiment un côté vintage. Donc une Fleer de 96 avec l'ancien logo. Très très sympa. Encore Dennis. Donc là chez les Spurs. Une de Michael Jordan. Enfin, il y en a plusieurs je crois là-dedans. Donc j'ai celle-là. Toujours en très bon état. Hein. Scottie Pippen, All-Star. Donc, n'hésite pas, hein, si tu as besoin d'informations complémentaires. Je fais un prix si tu prends tout le lot. Hein. Honnêtement, celle-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette série-là. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa. Et la dernière. Voilà, donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère que les cartes t'ont fait plaisir, t'ont rapporté plusieurs souvenirs. N'hésite pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner là sur la petite bulle à côté de ma tête. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Allez, ciao !